Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau play sur ce Bonfire de Uncharted Shores. Il est développé et édité par Sigma Games, il est disponible sur Steam au prix de 9,99€. Il y a également une démo de disponible et justement sur Steam ils nous disent construire, survivre, explorer. Concevez votre ville, gérez les chaînes de ressources et les travailleurs, envoyez des navires en expédition. Commencez avec les villes, découvrez les donjons mystérieux et découvrez les secrets des anciens. Alors, fin 2020, début 2021, j'avais fait ce Bonfire de Forsaken Land, un truc de style, le premier du coup. J'ai regardé un peu le début de ma première vidéo pour me rappeler un peu de ce que c'était. Et j'ai fait une partie test sur celui-là. J'ai un peu scotché, j'ai fait 1h30 dessus. J'ai fait 27 jours. Et du coup, bah là, on va démarrer une nouvelle partie. Et go! Explorateur courageux. Survivant de la mer perdue. Usé de la sagesse des anciens. Rechercher le vieux moine dans sa tour. Une tempête s'approche. Alimentée par la tyrannie de Nécron. Les obstacles seront nombreux. Mais ne perdez pas espoir. Trouvez une terre et allumez le feu de camp. Apportez la lumière jusqu'au rivage inexploré. Et donc on va être parti. Donc clic droit. Voilà, pour changer un peu la vue. Clic gauche pour déplacer. La map est générée aléatoirement. Sur la game que j'avais, la map n'était pas là, elle était là. Les minerais n'étaient pas là non plus. Donc là, il faut construire un feu de camp. Ok. J'essaie de voir pour les routes après. Tac 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 tac. Donc là j'aurai. Je peux rien mettre là. Là j'aurai une route. Donc là. On va commencer à mettre des choses. 1, 2. On va mettre le feu de camp à peu près ici, je pense. Si je me trompe pas. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je fais mes petits calculs au fur et à mesure que la game va avancer. Donc en bas à droite, nous avons le jour. Donc ça défile, jour 1. À la moitié, bah, ce sera la nuit qui commencera. Ici, on a nos ouvriers. UUAEC, ok. 3 de force, 1 d'agilité, 1 d'intelligence et. Coup paralysant, chance de mobiliser un ennemi après une attaque. Comment devrions-nous nommer cette Istol? Ouais, si tu veux. On s'en fout un peu. On a donc ici, c'est pour voir un peu leurs compétences justement. Tout ce qui est force, agilité, intelligence, santé, énergie, faim, on a leur niveau, leur nom, leur rôle. Lui, il a un coup critique, chance de doubler les dégâts infligés. Ok. Et la petite compétence là, on va voir ça tout de suite. C'est pas là. Là. On a deux coups critiques, ok. Et deux qui peuvent immobiliser leur cible. Cool. Sympa. Hop, on ferme ça. Ceci est un pavillon de chasse, les villageois ont besoin de manger. Oui, alors. Pavillon de chasse.
plus petit. On va le mettre ouais là. Ici. Non, on va le mettre là. On va le mettre à côté. Voilà. On va donc retrouver son ingénierie, que je vous disais. Là, on a les ressources. On clique, voilà, on voit. Pour l'instant, il n'y a que du bois. Ici, on a les avis. Je n'irai pas dessus. C'est pas intéressant. Ici, on peut sauvegarder, on prend les paramètres. D'ailleurs, le jeu est en français, mais il y a plusieurs langues. J'avais été voir. J'ai réduit le son de la musique également, et c'est tout. Là, bah, faut juste attendre. Pavillon de chasse, on pourra chasser. On va chasser la petite bestiole là. Hop, pardon. Les arbres, on peut les détruire. Ça, ça va être plutôt pratique. Hop. Je vais les détruire tous maintenant parce que on n'aurait pas besoin. Alors, nous pouvons à présent chasser. Oui, toucher le pavillon de chasse pour y assigner un ouvrier. Le chasseur apportera la nourriture. Donc, on va déjà mettre. Donc, ça, c'est. Hop, on va prendre ça, on s'en fout. La force, c'est les dégâts de mêlée. L'agilité, les dégâts à distance. Et l'intelligence, c'est pour les crafts. On va mettre elle en chasse. On va également mettre. Bah, peu importe en vrai. Allez, on va mettre. Quoi quand même. On va mettre les deux là pour l'instant. Sauf que ça va un peu plus vite. Moi je continue de détruire mes armes en attendant. Sauf que je fais ça, le jeu il se met sur pause. Je détruis maintenant pour ne pas être embêté plus tard. Je vais tester les deux là pour l'instant. Pour avoir du bois à proximité. Pas de nourriture, de nourriture, vous voyez ça. Ça augmente là, bois, nourriture. Hop, comme ça. Ça va pas attendre, de toute façon on peut rien faire d'autre. Ah si, autant pour moi donc, faire des cabanes. C'est là que je commence à construire ça. Le feu de bûcheron, on verra après. Déjà les cabanes, pas le plus important. Toucher le feu de camp pour essayer un garde, les autres villageois dormiront pendant ce temps. Exact. Donc pour l'instant, on va mettre Raya, ça suffira. Pour l'instant, deux cabanes suffiront également. Là, on va enlever lui. Je vous montre un peu comment ça se passe. Si je vais ici, on a donc un chasseur, un garde, deux maçons. Je crois qu'ils sont un peu fatigués, mais là ils vont se reposer. Juste attendre. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Donc il m'en faut 3. Vous savez qu'on prend 3 de toute façon. Je pourrais mettre une route au-dessus à la rigueur ici. Tac, tac. Ah bah oui, bah je suis peut-être fatigué, mais bon. Après, si je mets une route ici. Tac, ouais, je peux mettre ça là, comme ça. Tac, les camps de bûcherons là-haut. Voilà. Oui, tu es fatigué, je sais. C'est vraiment de bien gérer tout ça pour gagner un maximum d'espace. Okay, oui. Ah oui, j'avais pas vu aussi en bas.
On peut mettre sur pause. On peut mettre play tranquille. On va surtout jouer en accéléré. Pas mieux. Et là, du coup, durant la nuit, on a eu une peau avec le loup. Oui, bah tu vas dormir, t'inquiète pas. Voilà. Tu vas chercher du bois là-haut alors qu'il y en a là, mais c'est pas grave. Tout va bien. Ça perd un peu de temps, mais bon. Si je clique dessus, on voit qu'il faut 10 de bois. La priorité est quand même à la construction des cabanes pour qu'ils puissent dormir. Après on ira chercher du bois. Une fois qu'ils sont les 10, hop, ils peuvent commencer à construire. Là, bah, on attend. De toute façon on voit en train de se faire, là ça monte petit à petit. Ah. Et donc là on a Io. Donc on accepte une personne en plus qui va les construire avec eux. Du coup on va se remettre une cabane. Voilà. En vrai je peux même remettre la dernière. Je vais même pouvoir remettre le deuxième camp de bûcheron. Il suffit de cliquer dessus et de mettre pause, le temps qu'on en a pas besoin. Comme ça, je trouve c'est pas ça en priorité. Là forcément ça va avancer plus vite. C'est dommage, c'était presque fini. Jour 2, on a un garde. Au jour 3, par contre, il nous faudra un deuxième garde. Donc, il y en a un qui travaillera toute la journée, arrivé au soir, je mettrai pause et j'en mettrai un garde. Après, au jour 6, j'en mettrai un troisième et après, jusqu'au jour 27, c'était bien, donc ça va. Ils vont se cacher dans la forêt. Ils reviennent. Et on va mettre pause sur la maison là aussi. Voilà. C'est pas la maison, c'est la cabane, mais pareil. Et là, moi j'aimerais bien qu'ils terminent ça, ça, ça et trois cabanes pour qu'ils puissent dormir en sécurité. Quoique, mais moi ça se pose. Déjà les deux cabanes, et on verra après pour les deux autres. Que le garde, je vais le laisser dormir dehors. Parce qu'il dort la journée, il n'y a pas de danger la journée. Le danger, c'est que le soir, donc c'est les ouvriers qui vont dormir là, le soir dans les cabanes. La journée, ils travaillent au travail. Ouais, lui, il est bien. Donc là, toi, tu es Raya. Donc Raya, tu resteras dehors. Pour l'instant, donc on va mettre Mita et Sio. Voilà, le coupeau force. Elle a de l'intelligence, elle quand même. Ah, j'ai pas regardé aussi. On va voir ses compétences à l'autre. Ah, donc c'est toi qui est arrivé et ta compétence c'est fabrication d'objets améliorés. Donc t'es en intelligence. Ça tombe bien. Donc elle nous fera des shows. De nourriture de peau, on n'a pas de bois encore, normal. Une maison, la deuxième va arriver. On a dit que notre chasseur c'était dans le garde, c'est Raya. On va te mettre pause de toute façon. Ok, 30 secondes. Donc, Zion et Uwek. Allez, reprenez. On a besoin de bûcheron. Oui, bah. Vas-y, go. Ah, il y a la nuit qui est arrivée, donc stop. Je veux un garde et on va mettre. Toi. Puis il a 3 et il casse les os. Bon. Voilà, sort de ta grotte. Et let's go. On a 2 gardes. Voilà. Déjà. Ce
Ah, moi j'ai perdu un petit peu de temps parce que j'ai oublié de réactiver la construction de ça. Mais bon, ça va aller vite. Voilà pourquoi j'en ai mis deux. Deux loups, c'est plus prudent. C'est bon, parti test, c'est pas que je veux pas, mais j'en avais qu'un et. Il était quasiment mort, il est parti tronquer dans la forêt, du coup il y a un loup qui était mort, l'autre qui était presque mort mais qui a pillé mes ressources. Non, non, c'est bon. Une fois, pas deux. Tout la peau, j'en ai tellement besoin. Et là on est bien. Et donc on va mettre pause. On va être sur le feu de camp et on va enlever lui. C'est bien. Un seul garde va suffire là tout de suite maintenant. Et donc on reprend. Il va falloir construire les petits, il va falloir construire. Vous êtes trois à pouvoir construire, on a un chasseur, on a un garde. Tout va bien. Construction, on n'a rien pour l'instant. Je sais pas à quel moment on débloque les constructions. C'est pas grave. Et là regardez. Hop, on est bien. Hop. On détruit ça. On détruit ça, on n'en a plus besoin. Maintenant ils vont prendre le bois là-haut. Ils vont être tellement rapide. On est à côté. Voilà. C'est bien ça. J'avoue par contre j'ai compté l'optimisation du côté là. De haut en bas, mais de gauche à droite, non. J'ai mis au pif. Après c'est fait en fonction de la mine qui est là. Ouais, c'est bien. Ensuite, on va reprendre la construction de ça. Ah ! Ok, deux nouvelles personnes, on accepte. Du coup, on va débloquer les deux là. On va mettre pause 30 secondes, il me faut un bûcheron. Et donc là, on a une qui est encore efficace. Et ça, c'est un voyageur. Et... Hop, je vais vous montrer. Non, pas toi, toi. Là, chance de trouver des objets rares accrus. Donc en vrai, il est bon dans quoi lui. Délicence à la rigueur, vas-y, sans mon bûcheron pour l'instant. Je cherche pas. Hop, un petit bûcheron. Nickel. Donc on a 1, 2, 3, 4 travailleurs, un bûcheron, un chasseur, ok. Et on voit que maintenant le bois commence à s'accumuler. Un seul ça suffit, voilà, on peut regarder là. Comme il est à côté, au final ça va assez vite. Oh, là il va dormir. Bravo. On a un garde. Eux. Ils ont pas encore avancé entièrement. Ah oui, il faut qu'ils fassent le chemin là pour les ressources, mais pas bien grave. Ah, j'ai en laissé un deuxième. Ça va le faire. Oui, ça le fait. Pourquoi ça n'avait pas fait sur ma gameplay? Non. Pour la prochaine nuit, de toute façon, je remettrai un gars. Pour être sûr. Il a quand même pris un peu tarif. Pour l'instant, on va les laisser travailler. Ce sera pas mal. On a Mita pour faire le taf. On a Mita et Muo. Là est mieux, pourquoi pas. Mita est là. Non, on prendra pas Mita. Ah mais après oui, il faut que je regarde aussi leur compétence. Et dit Mita, Uo. Non. Ah, Sion, pas mal. Sion, pas mal quand même. Il a 3. Ah, on mettra Sion. Ah, pas pour moi. 5 de nourriture. Excusera, mais je les ai pas.
Dommage, elle m'aurait donné une lance ou je ne sais quoi d'ailleurs. Non. Non, on va rejeter. Soit une lance, soit un chariot, mais là non, je peux pas. Vraiment. Pas que je veux pas, mais c'est impossible. Ah, par contre. La pêche, on va aller faire ça direct. Donc, on va construire la maison. Ensuite, il y aura ça. Ensuite, il y aura la menuiserie. Menuiserie, ça ira là-haut. Toc. Ouais. Sauf que je ne veux pas construire ça maintenant. Ça sent où? Les sorties, ça construit. Allez. Ah, stop. Non, pas ici, ici. Et on a dit, toi, est-ce que tu es bon? Allez, reprends. Voilà. Et donc, j'ai 3 travailleurs. Ça ira? On va aller là, on va regarder qui c'est qui est en train de dormir. Toi. Et. Toi. Voilà. Ils sont tous à l'abri. Allez, on casse les pattes. C'est très bien. Ouais, ils sont tous à l'abri. Donc, on va mettre ça sur pause. Et on va aller faire construire ça. Priorité à ça, là, clairement. Mais oui, mais oui. Là, j'ai besoin de nourriture. Ce qui est bien, c'est que de la peau, j'en ai. C'est déjà pas mal. Ah, et sur la partie test, la personne qui était venue réclamer un truc, c'était de la peau. 5 de peau, et j'avais donné. Mais j'en donnerai plus de la peau. Trop important. Là, autour du feu, dans la cabane. Ouais, il y en a qui est... Ok. Ça va aller. C'est pas trop rapide comparé à mon bûcheron. Il en faut 10, on est 7, 12, 8, c'est bon, ça ira. Alors, à un moment, il va falloir y aller, les. S'il vous plaît. Accélérer le mouvement. Avec sa viande. Dépêche-toi aussi, bordel. Et elle a fini. De toute façon, elle a fini, mais il va faire nuit. Dommage. Je voulais la remettre avec eux, mais ça sert à rien. Voilà, il fait nuit. Pour le peu de temps qu'il y avait. On construit la moitié, bordel. Ils auront ça à construire encore. Ils sont lents quand même. Sur 6, d'ailleurs. 2 gardes, ouais, ça ira. Je vais essayer d'en garder que 2 pour l'instant et j'en remettrai plus tard. Jour 9, quoi. C'est possible. Là, la grosse attaque est passée. Tous les 3 jours ça change quoi. On est bon. Allez, on a 10 de peau. Ah, oh, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Je vais vous montrer. Si je prends une cabane, on va améliorer. 10 de bois, 10 de peau. Voilà. Après, c'est pareil avec le camp de bûcheron. On va améliorer avec du bois, du fer. Voilà quoi. Pas forcément le plus intéressant. L'autre va aller chasser. Allez, dormez, dormez. Vous terminez de construire. Je ne peux pas chasser plus près. Tu perds du temps à chaque fois. Bordel, elle ne peut pas prendre en même temps.
Voilà. Ok. Stop. Là, j'hésite. Il faut quelqu'un ici, dans tous les cas. Ah, toi, t'es bonne pour crafter, donc toi, tu vas aller là-haut. On va te mettre toi. Ouais. Et là, je me dis que je vais reprendre ça plutôt que ça. Let's go! On va faire ça comme ça. Vous allez voir pourquoi. Non, par contre, c'est rapide vu que. Ah! Vas-y, calme. C'est rapide vu qu'ils prennent le bois à côté. Salut! Merci! Tu es. Pata! Fatafata, elle est forte et elle inflige le double de dégâts lorsque son tir est une de moitié. Ouais, bon. Voilà quoi. Ouais, t'es quand même forte. Mais bon. Il va juste continuer ta vie comme les autres. Ensuite, on va reprendre ça. Allez. En quoi toi travaille? Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, c'est une chasseuse, ok. Autant pour moi. Et donc ici, on va mettre celle que je disais, qui est intelligente là. Donc toi, tu viendras me faire. Deux lances la nuit. Déjà un chariot en vrai. Déjà un chariot. Comme ça, le chariot, je pourrais le mettre à mon bûcheron. Il rapportera deux fois plus de bois. Comme ça, après, ils pourront utiliser le bois à droite à gauche, sans problème. C'est très bien. 15 de peau, par contre, c'est bien aussi. On a réserve, on a les routes. Ah oui. Mais les routes, ça sera pour après. Terminez déjà les constructions que je vous ai demandé. Ensuite, on verra pour les routes. Bordel. Et la réserve, c'est tellement pas important pour l'instant. Ah. Ben, enlève-toi. Ah, 5 peaux. Le truc, c'est que la peau, c'est important et. C'est chaud à avoir. Après, j'en ai d'avance. Et lui, il va me donner un chariot ou une lance. C'est du temps de gagner. Après le chariot et la lance, c'est que du bois. Je rejette. C'est bon. Je vais perdre un peu de temps. Mais c'est pas grave. Je préfère garder la peau que. Voilà. Je préfère voilà, garder la peau plutôt que. Plus que voilà. Tiens, va chasser toi aussi. On va faire ça après. Récupère la nourriture, donc récupère. Le temps passe vite et elle a du mal, la madame. C'est fini là-haut. Je mettrai pause. Ah, ils vont déposer ça. Tac, tac. Stop. Non. Uwek et Mita. Hop, voilà. On enlève. Allez, construit. On n'a pas le temps. Ah. Pause. On va faire ça là-haut. Ah, ici. Et donc lui c'est mon bûcheron, donc
Il faut produire, monsieur. Merci. D'ailleurs... Ah ouais, tu vas pouvoir transporter. Maintenant, je veux deux lances. S'il vous plaît. Et on est reparti. Durant la nuit, je remettrai mes deux chasseurs. Ça, ils chassent rapidement tous les deux. Ensuite, on peut les remettre à la construction. Hop, stop. Stop, stop. Le retour du feu de camp, on va dormir là. Fata, vas-y aussi. C'est bien. Pour l'instant, on est pas mal, donc on va pouvoir commencer à construire les routes. Les routes. Oui. Regardez. Hop. Non. Voilà. Ça. Sérieux. Vas-y. Non. Non. Quoi? Ah, bordel. Chiant. Ah. Et puis. Là, je vois ce que j'avais prévu. On va quand même vérifier en dessous, on peut pas. En dessous, on peut pas, effectivement. Ça, je me suis mis plutôt bien. Là, on fait ça. Là, on va faire ça. Voilà, là, j'ai toutes mes routes. C'est trop bien. Let's go. Commencer à construire. La réserve, on la fera plus tard. Ok, donc, j'avais dit durant la nuit, je remettrai pas le feu de camp, mais qu'au jour 8, donc ça va. Je vais remettre Fata. C'est ça que j'avais dit, ouais, Fata et Yek. Du coup, les deux qui ont pas mal de force. Appelé. Ok. Ouais, peu importe en vrai. Mais bon, jour 9, il va falloir que je remette quelqu'un là. Non, pas dans la route. Bordel. Et donc ici, ça sera elle. Ça sera Yuek. Évidemment. Ah, pause. Là. Non. Hop, on peut te choper. Et toi, du coup, tu vas prendre le point là-dedans. Nickel. T'as un bon garde. On voit niveau 5 et passer niveau 6. Allez, go. Bah, en vrai, pour l'instant, je suis satisfait vu que j'ai bien optimisé. C'est cool. Après, j'ai les réserves que je pourrais faire. Je pourrais quand même mettre ça là parce que ça passe, mais non. Allez-y tranquillement par contre, j'essaie de réfléchir à où je vais mettre mes réserves. Tac. Tac. Là-haut à la rigueur. Tac. Ah, je vais te faire une route. Bravo. On va faire comme ça.
celle-là je peux la détruire quand même. Voilà. Ah, toi. Ah, mettre les gens en pause. Il y a du monde. Et vire, oh là là, c'est chiant. Toi. Tu es maçon. Et tu vas finir. Là, donc prends un niveau. Merci. Faut que l'autre elle bouge de là-haut. Elle bougera pas parce que c'est son boulot. Donc vas-y, fais-moi ça. Non, 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 non. Fais-moi une lance. Fais-moi deux lances. Un chariot. C'est la menuiserie. Là, du haut. Et donc toi, tu craftes. Let's go. C'est reparti. Tranquillement, mais c'est reparti. Ok, c'est pas reparti. Il y a trop de choses. Encore vite fait. Nouvelle personne, voilà. Faut que je gère, faut que je gère. Se repose, ok. Oh, ne manque jamais un tir. Ah, un tir, donc c'est un archer. Archer, donc il va me falloir de l'agilité pour lui. D'accord. Oh, il peut transporter davantage de ressources dans l'inventaire. Toi, tu vas aller. Bûcheron. Non, c'est sur la baraque. Bordel. Moi cette route elle me gêne. Oui. Ah mais. Voilà. Donc. Un deuxième bûcheron. Ah oui, toi t'es pas... Ouais. Si je t'enlève de là-haut, c'est pas bien grave en vrai. Vas-y. Ah par contre, reviens. Hé hey, mon coco. Il est pas pour toi celui-là. Il est pour toi. Ok. Ensuite, on a... Les gardes avec une lance. Ah, y a Sion. Ok. On va avoir l'autre aussi à mettre. Toi. J'ai pas de lance. Ok. Je vais mettre mes routes. Ouais, bah. Allez-y. C'est ça. Pas mal de monde là. Je vais penser à un truc également. Améliorer, s'il vous plaît. Récolte de bois. Comment tiens, tu viens là. Pas dormir, viens là. J'espère que tu auras une lance. Non, toujours pas. T'as branlé l'autre. A fait un chariot. Ah là là, bah c'est bien aussi le chariot, mais bon. Un chariot pour toi. Tu vas ramener plus de nourriture. Let's go. Bon, ça se met bien là aussi niveau nourriture. C'est cool. Bon, notre nouvelle recrue là, elle a pas de. Une nouvelle garde. On a pas ce qu'on veut. On n'a pas de lance. Mais bon. Voilà, là aussi. Nickel. On va insérer.
toi. Raya. Raya, 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 tu es. Ok. Mêlée. On applique. C'est bien. J'avance pas bien vite. Parce que je mets quand même pas mal de pause pour pouvoir bien gérer. Justement, je gère bien. Donc c'est cool. En attendant, mes réserves, je sais toujours pas où les mettre. On va dire. Tac. Ah oui, bah. Ah, on peut les pivoter. Je savais pas ça. D'accord. Peut-être si je vais mettre la porte là, je peux. Ah, c'est bon à savoir ça. Mais j'avais pas essayé encore. Doucement. Vous avez plus rien à construire, reprenez ça. Voilà. Toi. Je vais essayer de me faire des lances. J'ai une madame qui voudrait une lance. Merci. Et combien? Une, ça sera bien. Et deux chariots. Priorité chariot d'ailleurs. Sympa. La lance est du surplus. Ah bah elle est faite. Je vais l'annuler mais elle est faite. C'est bon. Bah. Secondes. Les chasseurs, ils sont déjà finis. Pata Mita. Tac tac. Pata. Je vais quand même prendre une lance. Ah, on peut renommer, je viens de voir. Attends. J'ai envie de voir un truc. Si je mets Fata ici, je vais lui donner une lance. On est d'accord. Sauf que si je l'enlève de là. Est-ce qu'elle a encore sa lance? Non, ok. Donc, Fata, tu vas rester là. Du coup, c'est pas grave. Et tu vas garder ta lance comme ça. Voilà. Je vais pas te la remettre à chaque fois. Il me reste juste la réserve. Let's go. Le bâtiment là-haut, je vais mettre pause. Je mets pause. Route 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai l'impression que je peux mettre là. Aucune impression, ok. On va faire comme ça pour délimiter la mine. Tour, rien construit comme ça. Eux par contre ils vont pouvoir aller construire ça tranquillement. Ah, toi tu as passé un niveau. Raya, 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 tu patrouilles. Charpentière, c'est une charpentière. Vas-y, go. Non, c'est mon chariot, toujours pas d'ailleurs. Si, non. Ah oui, mais non, j'ai pas de chariot, c'est pour ça. Combien d'ouvriers là? On est que deux parce que Mita va retourner à la chasse. Mita va retourner à la chasse. Tac. Très bien. Au lever du jour, on s'arrêtera. Venez, venez. On peut accélérer la nuit. J'ai toujours mes réserves. Et ouais, je vais faire là. C'est bien. Hop, double réserve. Normalement, je mettrais une route ici également.
Là, je mettrai autre chose. Vous verrez, vous verrez. On va mettre pause la réserve là. Je vais faire la première. Encore, faites déjà les routes. Pas mieux. Parce que, comme j'ai dit, au lever du jour, on va s'arrêter pour cet épisode. On a 18 de bois, 19 de nourriture. Hop. Mes lectures sont tranquilles. 0 charbon, 11 de peau. Oui, maintenant il y a le charbon, mais en vrai, je ne l'ai pas encore. Voilà. Tac. On va mettre la route là également. Peut-être que, pardon. Et let's go. C'est d'ailleurs, de toute façon, je vais filmer le deuxième épisode de la foulée. Ah, stop. Stop, stop, stop. Il fait jour. J'avais pas vu, on se calme. Et donc, on va construire, on n'a plus rien à part les routes. Bah, c'est parfait. Du coup, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!